À ce fond, l'antique Rhizasus ou encore le récent Port-Guidon est une région touristique de la Kabylie. Elle est située à 60 km au nord de la ville de Tizi Ouzou et à près de 150 km au nord-est de la capitale Alger. À ce fond, en plus de ces paysages pittoresques, jouets d'un ancrage historique qui remonte à des milliers d'années. Sur la longueur d'année et particulièrement durant l'été, la région est prise d'assaut par des centaines de milliers de visiteurs qui viennent des quatre coins de l'Algérie et de l'étranger pour savourer d'inoubliables moments de bonheur, d'évasion et de détente dans une ambiance à la fois festive et sereine. Azoufou est une vaste région du littoral qui s'étale sur une côte de 37 km. Elle s'étend de l'extrémité est de la wilaya ou le département de Tizi Ouzou jusqu'à la limite ouest de la région de Bidjaya ou Fgueil. Au dernier recensement, la population de la commune d'Asfoun a elle seule a atteint 17 435 habitants répartis sur une superficie totale de 126,66 km². La population de la Daïra ou du Grand Asfoun a atteint le nombre de 38 439 répartis sur une superficie de 360,27. Entre le nom d'une fleur, celui d'un poisson et celui de la rencontre des vents, la signification du terme Asfoun oscille. Les Romains l'ont appelé Rhizasus, les Français pour Guidon, mais le nom original résistant au temps et au colonialisme parce qu'il n'a jamais quitté la mémoire de ses authentiques enfants, reprend sa place à chaque indépendance. Asfoun vient du mot berbère Ozouf, qui veut dire une colline conique isolée ou le point convergent des quatre vents qui soufflent sur la Méditerranée. Elle compte de nombreuses plages dont quatre sont officiellement autorisées à la baignade, à savoir le Petit Paradis, Sidi Khalifa, la plage du centre d'Asfoun et le Caroubier. Les vastes plages de la région sont entourées d'un décor naturel fascinant, formé par des maquis et des montagnes paisibles. Les estivants en quête de repos trouvent dans ces lieux paradisiaques à la fois l'ambiance et la sérénité. On ne vient pas une fois à Asfoun, une fois découvert, mais on ne peut pas s'en passer de son charme, de sa beauté irrésistible. Pour garantir la réussite de l'événement de l'été, les autorités locales se mobilisent à la veille de chaque saison estivale. Par la mise en œuvre de plans de gestion allant de la sécurité des estivants, animation culturelle et bien d'autres mesures promotionnelles. À la veille de chaque été, la direction et la protection civile mobilisent près d'une centaine d'hommes composés de brigades d'intervention médicale et de surveillants des baignades. Elles mobilisent également des moyens d'intervention adéquats pour garantir sécurité et quiétude aux vacanciers. Chef de poste, plage des paradis, voilà, protection. Les statistiques affluence, on en a 45 000, mais le 1er juin jusqu'au 9 juillet. Agent de protection civile de Tizi Ouzou, l'unité principale, on est détaché à Petit Paradis, donc toujours on fait les interventions, à peu près une affaire de 10 à 12 interventions par semaine.
كنا خدمنا من زمان دونك ما نمشي تعاوننا الحمد لله في سامم لي ميتا ماجور ريجيني تنصحها ساكن دابو دي جرجن Qui la plage petit paradis, la Cap Belique presque ça c'est quoi d'ici. C'est la mieux gardée, la mieux sécurisée, écoulée sur le plan sécurité, sur le plan protection civile. Quand tu vois les malrachés, ils sont bien écoulés, à l'aise écoulés. Quand tu vois les malrachés. Il y a je vais le hal mليح ذا كثي مليح مليح مليح. ثلاثة لويس مليح ثلاثة جمات لن وجد قدشن مليح مليح واستحزينا سكاو جي سكاو نحمليك مسقول سقول سديين يسمي دنبان يري فريقيين علي علي لاشي سكاو علي علي لاشي سكاو Merci beaucoup.